Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody. Ah merde! Alors maintenant, par contre, faut me dire où on va parce que le prochain camp. Salut babe! Ah, on est pas loin de la green, on va peut-être passer le prendre du coup, vu qu'on a une place. J'espère bien. On va faire un contrôle de toutes les factions ce soir en fait, on a décidé. On vient de tomber sur les commerçants. Oui? Mordic, tu te rappelles? Le supplément qu'on avait fait contre un mur? Oui? Mordic, c'est de l'hôpital qui se fout de la charité, ils ont des gilets pare-balles alors qu'ils sont dans une zone safe. Mais non, mais je t'ai rien dit, t'as bien fait, hein. Franchement, c'était RP parlant, t'avais raison. Je veux dire, pourquoi Stan, il en a pas parlé d'après toi? Pourquoi Falky, après, il m'envoie, c'était un très bon RP? Parce qu'on a tous joué le jeu, quoi, c'est juste. C'est parce que j'ai trouvé ça. Ouais, il s'est passé pas mal de choses, ouais, effectivement. Babe, on t'a ramené des chargeurs de ton, pour ton VSS, on sait pas si tu l'as. C'est moi qui est gentil. Ouais, pas de soucis. Et en plus, tu veux savoir, c'est que officiellement vis-à-vis de l'armée, le VSS c'est une arme de flic en plus. C'est cool. Ouais, c'est une arme de flic, c'est ce que j'ai dit à Mordi, je me suis renseigné là-dessus. Comment c'est ça, vous êtes au courant, j'ai un VSS? Ils sont passés au camp. Non, mais ils sont passés au camp en plus. D'accord, d'accord. Du coup, on va passer à Green. Du coup, maintenant qu'on sait que t'as un VSS, on te ramènera plus de missions. On lui dit ou pas la chose qui manque sur. Tu sais quoi? Sur quoi? Ah bah, devine. Sur la voiture? Ouais. Ah oui, il manque le coffre, j'ai pété le coffre. Ça va, c'est pas grave. T'as pété le coffre?
Ouais, ouais, j'ai réussi à péter le coffre. J'ai fait un choc frontal et j'ai pété le coffre. C'est fabuleux quand même. Il était ruiné. Ouais, il a disparu en fait. Ouais, il a disparu d'un coup en fait. En fait, j'ai fait exprès, j'ai tiré dessus sur la off-road. Ah, mais en fait, faut pas qu'on aille par là pour la green du tout. J'ai vu ma première sédane pristine. Là où on voit toute la couleur parfaite. Oui, oui, bah oui, c'est des sacs de. Merci, Pomme. C'est pas par là la green, les gars. Oh, on fait chier. Bah attendez, je vais rentrer dans la voiture du sexe. Non. En fait, Mordic. Ouais. Il va falloir ajouter un canal sur LTS. Vas-y. Tiens. Merci. Prends ça, petite. Allez, on y va. Microphone muted. Sound muted. D'accord, ma grande, on y va. J'ai dit ma grande, j'ai rien dit de méchant. Natacha et ses six chats. Natacha Kapioska. Ah, pardon, pardon. Bonjour messieurs. Ça va jeune homme? Pardon? Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue, merci d'être venu. C'est très gentil, très très gentil à vous. Et ils sont où tous les autres qui sont censés, que je suis censé voir? Dans mon cul? Bah sors de là alors tout de suite, c'est interdit. Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Enchanté. Oui, Natacha et Tanta. Bienvenue à notre petite réunion. Tout à fait, exactement. Et on va s'occuper. On va s'occuper de faire des papiers. Comment va? Ça va, ça va. À qui avons-nous l'honneur? Mon nom est Stavro. Microphone muted. Ok. Je suis un représentant de l'autorité des FPH et quelque chose qui arrive dans le nord. Bon, ils sont où alors du coup tout le monde là? On est que ça? Sur la plage, on était 6-7. Et t'es où toi, babe? Je suis parti aller me changer sur l'île. Ah, d'accord. Bah, c'est pas la peine, on va te rejoindre du coup. Il n'y en a pas qui pouvait me dire que j'étais dans l'eau, juste. Bah, on savait pas, on t'a pas vu. Et j'étais à côté de toi et j'ai arrêté de t'appeler. Bah oui, mais je t'ai entendu au loin, mais je savais pas où t'étais, hein. Je t'ai cherché partout. Quand chacun t'a vu, ça t'a déconnecté. C'est toi qui étais avec le flair dans l'eau? C'est toi qui étais avec le flair dans l'eau là? Non. Non, mais de toute façon, j'ai plus de M4, j'ai plus rien, je pense. Oh non, bah de toute façon, il y en a d'autres, t'inquiète pas, c'est pas grave ça. Il y en a une dans la tente. Oui, il y en a une dans la tente. Juste là où vous êtes. Bah, c'est encore un chargeur sur son PC, mais ça, c'est pas tout encore. Ouah, c'est pas bien grave. J'en ai à 2x30, de toute façon, ouais, si tu veux. Il y avait quoi là dans ce... Ouais, c'est un chargeur 60 qu'il y a dedans. Mmh. Bon, on va pas tarder à traverser. Ça sera plus simple. Tu me portes sur ton dos. Microphone muted. Microphone activated. Traverser. Il y a même pas bateau, genre on va... Pour les désarmer. Microphone muted. Bah, je fais comment? Tu m'as laissé tout seul, gros.
Mais c'est pas, tu leur demandes gentiment qu'ils déposent leurs armes dans la tente militaire. Bah reviens si tu peux. Il a quitté la vie après un homme. Enfin pas toi, non, je parlais à Manon, viens si tu peux qu'on puisse. On peut se recoller là ? Ouais ouais. On est vraiment en fin de journée, j'aime bien ce temps. Ah, vous trouvez ça beau? Ah, c'est bugué les lampes la nuit. Bel endroit, hein. Belle architecture. Ah, du coup, je descends. Hey, restauration. Hey, la chapeau de prisonnier. J'entends ma voix, le. Regarde, le flic il a un chapeau de prisonnier. J'ai trouvé que ça, ta gueule. Eh mec, regarde de tous. Le flic il a un chapeau de prisonnier. Regarde de tous. Ah mais quel enfoiré celui-là alors. Ah ouais, tu veux jouer. D'accord. Bah puisque c'est ça, je mets ma lampe torche et je filme. Voilà. Je vous vois. Exactement. Et vous étiez censé poser les armes, messieurs les policiers. Ah, moi j'ai pas d'armes. Moi pas d'armes, ouais, tu peux regarder. Tu sais, pour un fusil à pompe, ça compensera pas ta petite bite. Tu vas t'étendre avec le vocabulaire, mec. Oh, c'est quoi le problème? Comme je veux. C'est normal, elle en a pas. Bon, Sergei, viens, on va regarder. Ça fait changer depuis la dernière fois. Maîtrisez, maîtrisez vos invités. J'ai pas compris. Alors, on va aller faire ses papiers ou merde. T'es où, babe? Roy. Mais faut ramener tout le monde là, il manque trop de monde. Il n'y a que les Russes qui sont si là vous en fait. Venir ici, s'il vous plaît. Ça se passe ici. Ouais, on va faire ça par là. C'est par ici, on va faire ça là, les bancs d'attente et tout, on va les mettre là, tu vois. Excusez-moi. Les papiers. Par là. Petit à petit. Tout le monde est là ? Je sais pas si tout le monde est bienvenu, là, Saut et tout ça, j'ai l'impression qu'ils sont pas venus, quoi. Il manque du monde ou pas ? Saut, non. Si, confirmer que Saut est pas avec vous. On doit appeler. Reste dans le coin, reste dans le coin. Et on va les laisser repartir après, mais on va pas tous les garder, mais on va d'abord les arrêter, on va leur faire un coup de stress. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer ? Non. Tu les fais venir un par un. D'accord ? S'il vous plaît. Tu les fais aller au bout du couloir, je l'attends avec le flingue. Okay. Allez. Allez-y. Non, papa. Sortez les armes, hein. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Recule-toi. Oui, reculez, s'il vous plaît. Chaka, passe avec Saut par l'autre côté. Merci. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est John Brown. John Brown, d'accord. John Brown, c'est pas la peine, hein. Donnez-moi du papier, on va lui faire des papiers à John. De quoi vous parlez? De quoi? Surveillez la porte, là. Parlez à moi.
Là, oui, je vous parle, tout à fait. Donnez-moi papier, qu'on fasse papier à John. À John Brown. Vous avez un stylo? Vous avez un stylo? Oh man, je l'ai perdu. Ah, voilà. Vous pouvez pas ouvrir la porte. Alors, redites-moi ça. John Brown. D'accord. John Brown. Quel est votre âge? Un deuxième. Brown, pardon, Brown. Désolé, je suis russe, je ne comprends pas très bien l'anglais. Quel âge vous avez? C'est toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes, les russes. On est correct, nous. Alors, votre âge, s'il vous plaît. Et alors? Ah non, bon. Pardon? Sound muted. J'ai 30 ans. 30 ans, d'accord, je note sur le papier. 30 ans. Vous vivez dans quel secteur? Pardon? Quoi? Vous vivez dans quel secteur à peu près pour savoir? Dans la ville à peu près où vous habitez? Ça dépend des jours. D'accord, vous êtes itinérant, d'accord. C'est dans ce je suis à Tcherno. Tcherno plutôt, mais jamais quand même itinérant, d'accord. Tchernogorsk. Très belle ville. Vous avez femme, enfant, vous avez quelqu'un autre dans ville, non, personne? Faites la rentrée. Vous avez quelqu'un d'autre dans ville? Femme, enfant, non, personne? D'accord, ok, je note aussi. Vous êtes tout seul, d'accord. Alors, je vous ai mis un numéro d'identification qui sera valable pour nos services uniquement. Il vous servira pour les contrôles. Il y aura plus de contrôles maintenant. Je note John Brown. Pardon ? Ça a coupé, excuse-moi. Ça coupe quand tu parles, excuse-moi, j'ai pas bien compris ce que tu dis. Oui. On revient. Il y a toujours quelqu'un pour faire l'autorité ici, vous savez. Voilà. Allez, c'est parfait. Je vous donne les papiers. Voilà, allez-y, c'est pour vous. Nous avons fichier, donc nous recoupons information, et là maintenant je sais que vous êtes gars honnête. Vous pouvez partir, pas de problème. Pas de problème. Bonne journée à vous et pardon du dérangement. Bon, merci. Merci, au revoir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire les papiers là vite fait, ou on procède à l'arrestation de la Russe peut-être tout de suite? Attends, je vais pas l'arrêter, So, t'es sérieux? Non, mais on fait passer tous ceux qui repartent. D'accord. Et les autres. Par contre, il me faudra encore un papier, babe, je suis désolé. Ouais, je te le ramène. Ok, c'est cool. Attends, je t'emmène qui? Ce qui tu veux, mais pas les Russes, quoi. T'inquiète. Alors merci d'avoir coopéré, madame. Bon retour chez vous, madame Sky. Non, mais là ça va pas. Attends, je suis là-bas. On s'est pas sauvé, on nous a ouvert la porte, on nous a dit c'est bon, vous êtes libre. Félicitations, bonne conduite. Bon, là, voilà, mais là ça va pas chez nous. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y avait, madame, écoutez-moi, est-ce qu'il y avait un officier féminin avec vous? Ah, pas du tout! Moi, je suis écouté, c'est le coup de fusil à pompe que j'ai mis et que ça n'a pas couché le mec. Comment vous avez pu faire de la couverture comme ça? Putain, moi j'étais juste dehors, il y avait juste à gérer l'intérieur. Moi j'étais entouré de trois mecs d'un coup, quoi. D'un coup, on entend ouais et tout, j'ai besoin d'aide, et du coup, on se retourne.
Il sort son arme. On se retourne, il sort son arme. À la base, quand on dit qu'on les a désarmés, moi j'avoue, je pensais quand même qu'il la jouerait bien désarmée. Tu bah, vois. Moi aussi, c'est ce que je vais leur dire. Je vais leur dire, ouais, mais ils m'ont dit, bah, vous aviez qu'à nous fouiller. On avait encore nos radios aussi. Je suis pas les radios, c'est pas grave. On avait dit, voilà, déposez vos armes pour faire des papiers. Et puis tu parles dans ta radio, on est à 1 mètre de toi, on t'entend parler. Normalement, oui, c'est dans les règles. Moi, perso, quand j'ai ma radio... C'est pour ça que j'ai laissé... C'est pour ça que je l'ai laissé allumer, du coup. Quand j'ai parlé dans le jeu, je l'ai laissé allumer, voilà. Et c'est, voilà. Ouais. Mais c'est naze. Ils en ont profité qu'ils braquaient, que... Ouais, mais là, c'est naze. Camarade, il faut que je vous parle tout de suite. Venez avec moi. De tous les mecs de ton pays. Camarade, venez deux petites secondes, camarade. Ouais. Non, papa. On a un petit problème là. Comment on ça, lui, la papier, on a un petit problème là. J'ai retrouvé les archives de la police ici. Et je crois que ces messieurs faisaient partie du lieu. Comment qu'on fait? Il faut qu'on les arrête et qu'on vérifie tout ça. Messieurs, vérification plus grosse s'impose pour vous. Pourquoi? Comment ça? Parce que le papier retrouvé est si bizarre. On doit faire chose au clair d'abord. Vous inquiétez pas, vous risquez pas pour vos vies, hein. Pas problème. Ok. On recule avec tes menottes. Toi. Pas menottes pour l'instant, pas menottes. Pas menottes pour... Calmez-vous, jeune homme. Le type est chaud, il va t'attacher dans 2 minutes, quoi. Bon, alors messieurs, juste on va faire vérification un peu plus intensive sur vous. Voilà, c'est tout. Je vais prendre d'abord une personne pour nous suivre. Et on va être obligé de vous mettre en cellule tous les trois. Je suis pas d'accord. Pour une heure, le temps de la vérification. Calmez-vous. C'est le bordel dehors. Faut pas mettre Atmos en cellule, hein. Ouais, faut pas mettre Atmos en cellule. Sergi, c'est. Bon bah alors. Si tu veux, on te met dedans, mec. Si tu veux, on te met dedans, mec. Atmos. Tu veux les rejoindre, toi, dehors, c'est ça? Allez, tout le monde en cellule. On ne parle pas. Allez, pas de mots. On va pas le retenir toute la soirée, vous inquiétez pas, madame. Vous partirez avec lui, peut-être. On va vérifier son identité. Il n'y a pas d'affolement pour l'instant. Il n'y a rien à craindre. Il n'est pas méchant, à ah, maintenant, vous le faites y aller. Arrêtez. Allez. On va s'occuper très vite de vous et vous serez parti très très vite. Merde, on ferme la porte. Chier, on va où? Cellule là, droit de devant vous. Il y a plus de place. Droit devant vous, vous en avez deux, vous choisissez, vous mettez d'accord. Sergueï, viens. Allez, entre dans la cellule. On est frères, on est inséparables. J'ai plus de lockpick. Allez, restez dedans, monsieur, du calme. Reste là, Sergueï. Ouais, faites pas de mal à la pause. Bon, surveille-le. Et ils m'ont dit qu'on rentre. Ok, allez, c'est parti. Alors. T'inquiète, c'est joli vu ici. Bah, les gens, les grandes gueules, elles sont enfermées. Je suis innocent, mais rien fait. Libéré, Atmos, libéré. Libéré, Atmos, libéré. Ouais, mais. Et vous, votre avenir, ça vous importe pas? M'approche pas avec tes menottes, je te préviens tout de suite. Attention, ne partez pas en vrille. Ils sont dans la cellule, il n'y a pas de risque. Tu nous touches pas, on n'a rien fait jusqu'à preuve du contraire. C'est ça, arrêtez, du calme. Bon, monsieur, on a trouvé vos noms dans les archives de la prison. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as trouvé Alexei Yushchenko. Ah, on a trouvé deux noms bizarres. Qui correspondent un peu à votre description. Bah c'est quoi les noms bizarres? Eh, ça correspond à votre description en tout cas. La voix. Les Russes, ils se ressemblent. Ouais, pas tous. Non, c'est vrai. Moi je me ressemble pas avec vous, voyez par exemple. Et pourtant on est russe. Ouais, moi je connais un marchand, il a le même accent que toi et pourtant c'est pas toi.
relou. Bon, on va éclaircir cette histoire de toute façon. Dans tes dents, le poulet. Ouais, pas mal. Et déjà, moi, je veux voir le papier. Je veux voir le papier comme quoi t'es flic. Papier flic ? Allez, voilà mes papiers. Tu les vas aller voir mes papiers ? Je te les montrerai quand on t'aura les tiens déjà. Putain, Sergei, je suis sûr que c'est pas des flics. Déjà, si t'as pas les tiens, je vois pas pourquoi tu me demandes les miens. De montrer les papiers, tu vois. D'habitude, ils sont trop fiers, ils montent papier direct. Attention quand même, jeune homme, attention. Nous sommes libres jusqu'à preuve du contraire. Oh, rentrez tout de suite. On va pas te faire tirer dessus, ça faut se gâcher. Ah, j'ai fermé. Tu sais ce qui est arrivé au dernier qui m'a menacé. Il s'est retrouvé avec ta femme pour faire son cul. Ta gueule, Sergei. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le muet ? Il a rien dit. Qu'est-ce qu'on fait pour le muet ? Viens, Sergei, recule. Je vois là-bas. Camarade, qu'est-ce qu'on fait pour le muet ? On peut le laisser partir, je pense qu'il a pas l'air très suspect. Oui, le muet. Je pense qu'on peut le laisser partir, il a pas l'air très dangereux. Hein. Monsieur, pardonnez-nous. Allez-y, sortez, on nous a confondus, je pense. Et pourquoi lui sort et pas nous ? Parce que vous, pas poli. Voilà, vous pouvez sortir, allez-y, pas problème. Faites sortir. Allez-y. Les autres, ils restent là, on les garde encore. Voilà, les gars. Yvonne, comment 93 ? Non. D'ailleurs. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, j'arrive, attends. Non, en fait, moi j'ai noté un truc, j'ai oublié de lui dire, excuse-moi. Pardon. Ouais, j'avais noté, mais j'avais plus de papier en fait. Tu peux le noter, tu peux le mettre sur le tien du coup, de papier ? Ça te dérange pas ? Tu veux un papier, Pauline ? Ouais, bien. Attends, Pauline. Il s'occupe des autres, de toute façon, tout va bien. Attendez-moi, je vais faire pipi. Ouais, t'arrêtes de caler, sinon tu te prends mal dans la gueule. Hein. J'en ai marre d'entendre caler, moi. Alors, votre nom, s'il vous plaît. Va pisser là-bas. Mais c'est pas possible, hein. Ça n'est pas peur à tout le monde, t'es innocent, t'es comme nous, t'es innocent. Bon, pas comme vous, hein, j'ai pas l'impression, hein, quand même, hein. Il est vraiment là-bas en plus. Bon, ça y est, monsieur, tu la secoues alors, ça y est, tu veux qu'on te l'agite ? Allez, là ! Et l'autre, là ! Il est nerveux, ça, le gars. Mais tu tires pas sur les invités comme ça, toi, t'es fou. Ouais, c'est vrai. Yuri, calme-toi, bordel. C'est pour déclencher. Hein. Pour déclencher quoi, la guerre ? Bah, ça va marcher, t'inquiète. Déclencher l'envie. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on vous la tienne ? Non, c'est bon, je vais pas aider qui que ce soit à pisser, ça va pas, non ? Tu m'as pris pour qui, dis donc ? Attention, hein ? Toi, mon toi. Va l'aider à te rhabiller, là ! Tu peux aller t'asseoir, je pense que t'en as pour un moment. C'est long ici, hein ? Moi j'en peux plus, hein ? Je suis bien debout. Il y a plus de folk, hein ? En plus, on a même pas à boire.
C'est vrai que... Ouais, y'a rien, non, y'a rien. Mais je vais faire pousser des trucs, ça. Je suis desséché, moi. Bah, j'ai à faire pousser des trucs, là, de toute façon. C'est dégueulasse, ça, Dimitri. J'ai un coca, là, j'ai un coca. Je m'en bats les couilles. Atmos, ça y est ? Ah, putain. Ah, c'est bon ? Ah, alors, c'est parti pour les papiers. Alors... Pardon, avec cet affolement, voilà. Alors, quel est votre nom, jeune homme? Atmos, d'accord. Nom de famille? Non? Franchement, je trouve ça un petit peu léger, RP parlant, quand même, quoi. Un petit peu léger, quoi. Un petit peu léger. Il s'est mis à te braquer, en fait. Mais je sais pas, en fait, à la base, il fait un double truc, mais il m'avait dit, vous faites comme vous voulez. Moi, je me suis dit, on va le laisser partir. Il m'a dit, ouais, je serai en roue libre. Moi, je me suis dit, bon, voilà. Mais franchement, c'était pas le bon moment, quoi. Enfin, honnêtement, c'était bidon comme moment, parce que nous, on relâchait un peu la tension, parce qu'il fallait que j'aille le voir. Donc, c'est un peu lâche, quoi. Franchement, c'est un peu lâche. Moi, je les trouve un peu bidons sur ce coup-là, en fait, quoi. Attention quand même, hein! Attention quand même, hein! Allez, je suis un russe débile, moi, attention! Méfiez-vous, hein! D'accord, ok, ben d'accord. J'ai mis les papiers là, si tu veux les récupérer au sol. Bon courage à vous, merci, votre coopération a été très bonne pour nous, merci. De rien, mon poulet, allez maintenant, hop, tu restes assis. Bouge pas, mon grand, surprise. Merci, je vais le faire pour okay. L'instant. Ok, je bouge plus. Attends, je ramasse les... Coucou, merci. Eh, vous venez tout... Vous faites quoi, là, du coup Messieurs, là, vous pouvez venir dehors, peut-être? Chacun à feu. Sur le mec qui me pointe, là. Sur le mec qui me pointe. En rouge, tu le tires. En rouge. En rouge, tu l'allumes, direct. On a eu. C'est quoi le bordel là-dedans là? Oh 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 oh, calmez-vous. On est tous morts. Vous êtes morts là? Mon gars. Bah oui, moi je suis mort. Ah, moi j'ai mis une cartouche, ça pas suffit. Faut pas monter le ton, c'est pas la peine, ça va durcir l'ambiance. Mais du coup, simplement, non, on avait prévu juste en deux parties, donc à la base on voulait pas du tout, on voulait faire un espèce de contrôle. Et limite, peut-être en garder un pour qu'il y ait un but de libération derrière, j'avoue honnêtement. Après, nous on pensait que vous joueriez le jeu pour les armes, donc là moi j'étais un peu déçu parce que je me suis dit ils ont pas joué le jeu du tout, donc c'est pas cool. Et puis après, bon, la scène en elle-même, moi je m'en branle, c'est plutôt marrant, je vous crache à la gueule et tout. C'est... Moi j'aime bien ce genre de truc, donc ça me dérange pas ce que j'ai vécu, c'est pas le problème, tu vois. Personnellement, RP parlant, j'arrête quelqu'un, je l'enferme, je le fouille. Vous nous auriez fouillé, on était baisés. On a joué l'honnêteté, on a joué l'honnêteté parce qu'on pensait que ça serait pareil de l'autre côté à la base. Moi j'ai essayé de vous faire confiance, tu vois. Je me suis dit, ils vont jouer le jeu, ils ont posé les armes, quoi. Moi j'avais posé les miennes, et j'en ai pris une après en revenant quand j'ai vu que ça montait, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez me tuer, c'est ça? Allez-y, tuez-moi, pas de problème, vous êtes des assassins, de toute façon, je vous chie à la gueule. Je vous chie à la gueule, tuez-moi, allez. Personne enferme les Kamenyakov. Effectivement, il y avait des papiers, c'était une goutte d'épée. Attends, regarde. Allez, tuez-moi. Regarde. Non, on va pas te tuer. Regardez. J'ai du bonheur. Et si, vous êtes obligé de me tuer. J'ai du bonheur. Non, on va pas te tuer. Viens ici, quoi. On va t'enfermer, on va te tuer. En tout cas, on va pas te tuer tout de suite. Je l'aurais pas fait, t'inquiète, je me serais passé ici. Bon. Ah, y'a aucune raison de me faire mal, les gars. Moi, j'ai fait de mal à personne. Je veux lui parler.
Tu vas me suivre, lève-toi, debout. Viens, moi je te suis pas, je te chie à la gueule, vas-y tue-moi maintenant, je te suis pas. La gueule, viens. Bon, on va faire ça ici alors. Vas-y, 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 tue-moi maintenant, c'est plus simple. Il vaut mieux. Non, 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 non. Qui a parlé de te tuer? Regarde. Voilà, vas-y. C'est qui? Tu vois, mais. Si t'es par des flics, tu vas y aller comme ça, sans armes, avec. Bah, a priori, ouais. Avec un saut de vaseline en disant allez-y, enculez-moi. Ah non, moi je suis désolé, j'y vais pas comme ça. Ah bah tu t'énerves là, on discute pas, excuse-moi, je parle pas si tu t'énerves, gros, attends. Non, je m'énerve. Moi je reste cool, tu prends des. Bah, si on va se faire enculer, machin, reste cool quoi, tu vois. Non, 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 je te dis, quand t'es invité par des flics. Parce que, alors que t'es un ancien criminel, dans nos RP, nous on est des Russes, tu vois, on est des anciens criminels, on va pas venir, c'est pas du tout, c'était pas méchant ce que je disais, hein. On va pas venir en disant, ouais, allez-y, enfermez-nous, faites ce que vous voulez, tu vois, genre... C'est pas la question, c'est qu'on avait prévu un petit truc autour de ça, c'est juste ça que j'essaie de t'expliquer, moi je m'en fous après ce que tu veux faire, c'est pas grave, c'est pas moi qui l'avais mis en place, t'as mis ton truc en place de ton côté, t'as décidé de garder les armes, voilà, tu vas pas me le reprocher après de dire que c'est pas super cool, parce qu'à la base j'avais quand même demandé à ce qu'on joue le jeu, tu vois, voilà, mais c'est pas grave, tu vois, t'as voulu jouer comme ça, moi je peux pas t'opposer, te dire t'as eu tort, c'était plutôt marrant dans l'instant, sauf que bon, voilà, on s'est fait prendre deux coups, effectivement, parce que voilà, on pensait pas que vous nous sortiriez des armes, puisque nous on voulait tuer personne, en plus, c'était pas le but, quoi, tu vois. Mais c'est ce que je disais. On s'est retrouvés tous morts, bêtement. On avait la suite sur une prochaine soirée. Là, ça aurait pu durer encore. Mais le RP, c'est ça aussi, le RP, mais faut s'adapter. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Je veux dire, c'est vrai que quand tu déposes tes armes, tu vois le représentant qui te dit, moi aussi je dépose mon arme, regardez, et t'arrives dans une pièce, la porte elle est bloquée, et t'as quelqu'un qui est armé. Bah forcément, parce qu'en fait les gars où vous allez, c'était histoire de foutre, voilà, c'était juste histoire de foutre la pression, mais on a, voilà, c'est pour une foutre une ambiance quoi. Bah parce que là moi j'ai l'impression que c'était un peu, enfin ouais, on s'est fait un peu flinguer comme de rien quoi, t'as même pas, vous avez même pas tenté de prendre quelqu'un vraiment sauf moi, mais bon, moi j'avais pas envie quoi. Je suis sorti de la cellule, j'ai braqué Manon qui a joué le jeu, qui a levé le doigt, il y en avait un autre à côté qui a pas voulu baisser son arme. Mais à la base, vous étiez braqué vous aussi, si tu vas par là, vous étiez en tôle et tout, donc tu vois, c'est pour ça que je comprends pas trop quoi. On était en train de manger devant notre cellule et c'est toi qui t'es fait braquer, le chef, votre chef, toi, tu te fais braquer dehors. Moi je prends ma. Ah, parce que je la joue correct, je vais faire les papiers à un mec, je m'attends pas à ce qu'il y ait un coup comme ça, j'avoue. Première morte. Avec la porte en métal, tu vois. Bon, bref. Oui, Poker, qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi je l'envoie chier lui au bout d'un moment. Vous allez tous mourir, car on est en communication avec la Révolution. Elle connaît vos noms maintenant. Vous êtes tous morts. Vous allez tous mourir. Vous avez signé votre arène mort. Et vous feriez mieux de me tuer d'ailleurs. Tuez-moi. Tuez-moi. Tue-moi. Non, ça serait trop facile, quiconque. On va juste couper les deux. Ça serait pas mal, non, non. Et puis les deux de la Révolution, la terreur, tuez-moi, bande de chiens! Je vous crache à la gueule! Ah, moi je m'en fous, je vous écoute même pas, je vous crache à la gueule! Oh là là, oh, doucement, hein, soignez poli, hein! Ah bah sûrement pas! Foule à poil! Tu veux un petit conseil? Tu t'as craché à la gueule? Fais attention que ce soit pas ton propre sang, hein. Ah, écoute, si je le clash en même temps et que c'est sur ton visage, ça me va. C'est pas grave. Vas-y. Ça me prenne peinture de guerre. Ah, exactement. Maintenant, je sais qui vous êtes. Je suis tellement pressé de jouer avec toi. Ouais, tu sais qui on est. Ah, mais vous pouvez me tuer. Allez-y, c'est pas grave. Non, pas maintenant. Ah bah si, vous allez me tuer, c'est obligé. Ah, c'est quoi ça? Vous n'aurez pas le choix. Ça va ? Enfermez-moi, sinon moi je m'en vais. Hein. T'en es sûr, non ? Voilà. Voilà, parfait. J'ai essayé d'expliquer pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté,
Mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Non, mais si, hein, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Et je sais pas, elle est dans le personnage du mec. T'es Kuroko. L'avez tué ? Ben... En fait, la cale est dans son cul, quoi. Façon de dire, ouais. Vous l'avez tué ? Non, mais non, il est vivant. Non, non. Non, mais il a attaché par terre et la cale, elle sort de son cul. It's a long road, and it's hard as hell. Tell me, what do you do to survive? When they draw first blood, that's just the start of it. Day and night, you gotta fight to keep alive. The real war, right outside your front door, I'll tell ya. On va se faire enculer, frère. J'en ai rien à foutre. Oh, je me suis fait la full team, gros, presque.